Hello les amis, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2, donc c'est un jeu de type FPS, donc First Person Shooter pour traduire un peu les initiales de ceci, donc ou tir à la première personne pour ceux qui ne parlent pas anglais du tout. Donc c'est un jeu développé par Treyarch et édité par Activision. Alors, je vais en parler un peu vu que c'est ma première partie dessus. J'ai fait le petit topo habituel que je vais faire sur mes vidéos lorsque je ferai une première vidéo dessus. Donc ce jeu est différent des Call of Duty précédents, c'est-à-dire Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, vu que ce ne sont pas les mêmes développeurs. Déjà, il y a toujours le mode zombie qui rentre en compte sur Black Ops 2 par rapport au Modern Warfare 3, où il n'y avait pas de zombies, vu que c'était un jeu basique FPS. Ensuite, je vais parler un peu de ce que je pense, hein, parce que je ne suis pas non plus expert dans les Call of Duty, mais je peux dire mon avis. Ensuite, il y a le mode zombie, j'ai remarqué que ça n'avait pas beaucoup changé par rapport au premier. Il y a vu que le mode transit a été ajouté par rapport au premier. Il y a sûrement eu de changements, mais comme moi j'ai pas joué aux zombies, vu que le zombie je l'ai pas découvert, mais j'y ai joué vraiment que sur Black Ops. On va parler aussi du mode solo. Bah, le mode solo, moi j'ai pas vraiment accroché. J'ai essayé le mode solo et franchement j'ai pas accroché. Le thème du futur me plaît beaucoup par contre, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup jouer dans ce jeu parce que c'est assez futuriste, voilà, donc c'est un peu ce qu'ils recherchaient, le futurisme, avec les appareils, les bras de tout. C'est vraiment pas mal. Alors, il y a toujours un hélico aussi qui est assez chiant, c'est l'hélico, je sais pas comment il s'appelle, mais bon bref, quand il est au-dessus de votre tête, vous y passez à coup sûr et c'est assez chiant, voilà. Donc dans ce gameplay, je fais rien d'exceptionnel, hein, je joue normalement. Après, les personnes qui ont mal, bien, ça dépend des personnes, de leur niveau à eux, sur leur Call of Duty. On sécurise Charlie. On va perdre B. Donc je voulais parler aussi d'une sorte de mode que je vais mettre en route sur ma chaîne. Donc j'ai réfléchi assez au nom, c'est le mode défi. En plus je suis passé à côté tout à l'heure, je viens de le voir. Donc le mode défi, en quoi ça consiste sur ma chaîne? Alors je vous expliquer. Je mettrai une sorte de trailer pour l'ouverture de ce mode défi sur ma chaîne. Et vous pourrez laisser des commentaires dessus pour me dire. Par exemple, me donner des défis à faire sur Call of Duty Black Ops 2, du style tu peux jouer avec cette arme, tu feras un nombre de frags voulu avec cette arme, juste cette arme, sans aucun atout, etc. etc. Voilà, donc éviter les trucs complètement absurdes que j'arriverai pas à faire. Donc, ça sera des tirages au sort sur des commentaires. Je choisirai un commentaire au hasard. Je marquerai son pseudo sur une sorte de feuille pour ne pas oublier qui l'a demandé. Je marquerai son commentaire sur ma vidéo du défi, donc défi numéro 1 pour le défi qui arrivera. Je n'aurai sûrement pas ça toutes les semaines parce que je pense que j'aurai d'autres gameplays à faire, comme Far Cry 3 ou comme ça. Ça pourrait être assez sympathique, j'ai dit que ça pouvait changer un peu, divertir un peu pas mal de monde. Donc je mettrai un trailer, je sais pas, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Ça va être assez long à faire. Pour préciser quand commencera ce mode défi. Voilà. Et ben, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc pour le mode défi également, si je n'ai pas de commentaires avec le défi, je ferai un défi moi-même. Je posterai pour le défi. Donc en tout cas, j'espère que les Call of Duty vont ramener pas mal de monde sur la chaîne YouTube. Après, c'est vrai que si
va plaire. Il est HS. Alors, alors je ne filme toujours pas avec le mode studio, hein. Je vais les desserrer peut-être une fois, mais ça nous aide directement sur YouTube. Parce que j'ai l'ajout de mon logo, l'ajout de mon info, etc. Et c'est assez gênant. Voilà. C'est pour ça que je ne filme pas avec le mode studio, donc après il n'y a pas le mode studio, c'est sûr. Et voilà. C'est un choix. Sécurise B. Que je fais. Mais, et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Et ben je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo. Je ne commande pas en live, donc du coup, je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine, sûrement, le mode défi ou de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon allez, merci encore et à la prochaine. Mi-temps. Domination. Sécuriser l'objectif. On sécurise A. Alpha sécurisé. L'ennemi a pris C. Allez, debout. Collante. Drone de chasse allié déployé. On sécurise B. L'ennemi a pris B. Attention. Drone ennemi en approche. On sécurise Bravo. On va perdre A. Ennemi dans votre secteur. On se fait dominer. Prenez ses positions. Charlie verrouillé. Aéronef furtif ennemi en approche. On sécurise Alpha. On va perdre C. On sécurise B. On se fait dominer. Prenez ses positions. Collante. Attention. Droitement ennemi. Attention, drone ennemi en approche. Attention, drone de chasse ennemi en approche. On sécurise Bravo. On va faire le combat. Sécurisé. On va perdre Charlie. On se fait dominer. Passez à l'autre. Regroupez-vous et rechargez.